menu. Bonjour à toutes, c'est Jake. On joue à Pokémon Rouge, nous sommes dans Regard dans le rétro. Et comme déjà dit dans la vidéo de présentation de ce défi, vous avez donc depuis hier 4 vidéos de Pokémon par semaine. Avec Equipon qui fait la version bleue, moi qui fais donc la rouge. Demain, ça sera Raga sur de la version jaune. Et vendredi, notre cher Tauren fera la version verte japonaise. Une découverte donc tous ensemble de ce jeu old school, sorti en 95-96, ça fait 20 ans, et oui, nous fêtons les 20 ans de Pokémon. Nous allons donc commencer ensemble cette nouvelle aventure. Un petit coup d'œil des par les options vite fait. Vitesse du texte 3, parce que moi j'aime bien quand ça va vite. Animation du combat, oui, on va faire ça comme ça. C'est bon, c'est parti, nouveau jeu. Bonjour, professeur Shen, ou professeur Duglan pour les intimes. Blablabla, professeur Pokémon, oui, on la connaît, l'histoire, peuplé des créatures du nom de Pokémon. Pas vous présenter des Pokémon, hein, ça fait 20 ans qu'on en parle. 20 ans qu'on baigne dedans, ça fait notre enfance, eh oui. Non, Red, Sacha, Paul, non, je m'appelle Jake. Tac, 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 tac. J'ai gagné du temps sur Yakipon qui lui a galéré à écrire son nom. Tac, 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 hop là. Ouais, je m'appelle Jake, et mon rival. J'ai pas réfléchi à ça, tiens. Comment on perd du temps? Mon rival? Ah ah. Aucune foutue idée, sincèrement. On va faire un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à un ancien Divasand. On va faire ça. Allez, on va l'appeler Doppel. Si je sais écrire Doppel, ça serait bien. Comment on fait retour là-dessus? Attendez, comment on fait retour là-dessus? Ah ouais, c'est bon. Non. P. Comment gagner du temps pour écrire son nom? Comment perdre pour écrire le nom de son rival? C'est tout moi, ça. C'est Doppel, voilà. Bla bla bla, quête de Pokémon, sur point de commencer, bla 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 bla, oui. Petite miniature. Voilà, donc ça c'est la chambre de chez moi. Je joue à la Super Nintendo, je suis super content. Ok, j'appuie trop vite, ça c'est mon lit, je peux y aller pour me régène. Et je récupère aussi la super potion. Enfin, la potion tout court plutôt. Et voilà, et on se casse. Alors oui, moi je reste sur la version noir et blanc. Blabla, alors pour gagner du temps, au lieu de visiter, voilà, on va se faire aggro par chaîne. Alors les premières vidéos de nos aventures sont un peu répétitives, mais... on va se différencier très rapidement, croyez-moi. Notamment Yakipon qui est parti très vite dans la forêt de Jade. Ça ne sera pas forcément mon cas. Je vais faire quelque chose avant. Pépé, j'en ai marre d'attendre. 3 Pokémon, mais blablabla, Pokéball, blablabla, sacré dresseur, blablabla. Oh, je sais plus comment il s'appelle, c'était son prénom du professeur Shen. On l'apprend dans un des films, je crois que c'est avec Celebi. Je n'ai plus aucune idée. Alors oui, pour les starters, on a fait un choix où chacun aura un starter différent. Bon, comme Ralga est sur la jaune, forcément il a un Pikachu. Yakipon est donc sur un Bulbizarre. Tauren voulait absolument un Salamèche. Et moi, bah, par défaut, il me reste le Carapuce qui se trouve ici. Raté. Totalement raté. Non, mais le bizarre c'est Yakipon. Alors attendez, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Celui-là. Ça, bon, au moins vous avez la présentation des 3. Je regrette de ne pas prendre Salamèche parce que c'est mon starter habituel, mais je le laisse en Katoen qui vous le présentera vendredi. Voulez-vous donner un... Non, alors moi par contre je ne rename pas mes Pokémon.
blablabla. Bla. Alors si vous entendez des tac 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 derrière, c'est la manette, regardez. Voilà, comme ça au moins vous l'avez. C'est bon, je peux me barrer? Vas-y, Doppel. Viens te battre. C'est un petit hommage que je lui fais là. Bulle bizarre. Ok. Ah mais pardon, il prend toujours le starter opposé au nôtre. Charge et mimique, que tu vous foutes avec un charge et mimique quoi. 17. Mimique. Voilà, comme ça moi. Par contre maintenant faut que... Ah mais attendez, j'ai récupéré la potion moi comparé à lui. Je peux gagner mon premier combat. Montre-nous ce que t'as sous la carapace. Je vais marteler ce bouton de la manette. Alors pour information, et vous le savez déjà de toute façon, les versions de Pokémon sur lesquelles on joue là, sur ce duel. Oui, JXP. Je les ai à côté de moi, hein, bien sûr. Et il y a Kipon à certaines versions aussi, Ralga aussi. Et je suppose que Torin aussi. Et on se casse. Je sais plus si on récupère la carte maintenant ou pas. Ça c'est la sœur de Doppel. Ok, c'est pas maintenant. Oui, je sais, je me casse. On n'a pas de Pokéball que dalle. Du coup, nous, dans l'idée, c'est de capturer un Rookool assez rapidement. Toi, tu vas me donner une potion aussi. Voilà. Comment économiser 200 Poké-Dollars. J'ai un monde de capitaliste. C'est par là. Casse-toi. 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 Va-t'en. Sol. Putain. Ça m'énerve. On doit retourner après au Bourg-Palette et on se tombe. Putain, Ratatak, sérieux. Vas-y. Défonce-le. Versus rat. Oh, j'aurais pu renaître mon carapuce, même si je voulais pas. J'aurais pu l'appeler Sylvie. Une petite joke et une petite un petit hommage à Sylvie la tortue si elle regarde la vidéo. Je lui fais un gros boutou. Voilà, voilà. Putain, je me suis trompé. Et nous sommes dans. Y'a un truc là? Putain. Non, allez, bon. Alors, jouer sur un émulateur. Oui, nous sommes tous sur émulateur. Nous sommes sur Visual Boy de Rum Session, si vous ne connaissez pas. Voilà, voilà. Et du coup, je joue à la manette sur le PC. Et c'est pas très très pratique, sincèrement. L'idéal, bien sûr, pour jouer au Pokémon Old School, c'est de jouer sur la Game Boy. Avec des piles et tout. Mais c'est... Putain, pardon. Je parle et du coup je fais des bêtises. Mais personnellement j'y joue. Je n'y joue plus sur la Game Boy, j'y joue sur la Game Boy Advance SP. Je la trouve beaucoup plus intéressante. Et surtout l'autonomie. Vous pouvez jouer 7 heures d'affilée sans problème. Et où le. Ah il est là. On doit aller au shop. C'est l'heure du shopping. Blablabla, bla, professeur Chen, ça commande blablabla. Bla, 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 bla. Cool, tu diras pour eux. Allez, vite, allez, vite, vite, vite. Da da da. Da da da. Na 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 na. Da 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 da. Et rebonjour. Allez, donne-moi le Pokédex. Donne-moi le Pokédex. J'en reprofite pour faire un peu de pub, mais demain, Pokémon jaune avec Ralga. Je pense que vous allez aimer parce que, bon, par défaut, c'est Pikachu. Mais il peut faire des interactions avec son Pikachu. Et le Pikachu, si une fois qu'il a des cœurs sur la tête, il est super love de son dresseur Pokémon, ben ça peut apporter certains avantages.
notamment récupérer plus facilement un Bulbizarre et un Salamèche à c'est Zuria, je crois. Non, c'est pas Zuria. Je sais plus. Bref, là, dans la ville où il y a la deuxième arène. Là où il y a Ondine. Oui, blablabla. Mais non, mais cette manette... Okay, ne jouez pas à Pokémon à la manette. C'est une horreur. Je crois qu'il y a qui peut en jouer au clavier en plus. Bien. Maintenant, mais putain, mais... J'appuie sur bas. Bref. Alors, on doit capturer un Roucoule, Alors, de base, c'est un chenipan que je voudrais aussi, mais on va faire plus vite. Mais c'est pas vrai, l'autre qui... Bref. Et essayer de choper un Crisacier dans la forêt de Jade, ça c'est notre programme à nous dans Pokémon Rouge. Merde, du coup, est-ce que ça la mèche... est-ce que Carapuce, il est... Oh, ça va, il pète la forme. Casse-toi, j'ai dit. Eh oui, et le défi, donc pour rappel, bien sûr, ça ne sera pas en temps de vidéo ou en temps de d'épisode, c'est vraiment en temps de... Oh putain, tout pognon, pardon. Ça sera vraiment en temps de... Ben, en jeu, je vais vous montrer là-dessus d'ailleurs, avant de prendre, de faire des achats. Salut. Non mais... Salut. Oh la manette, quelle horreur. Ça sera... Là, voilà, vous voyez, ça fait 8 minutes que je blablate. Donc j'ai perdu du temps, d'ailleurs. Mais comment on fait retour sur ce... C'est une horreur. Oh. Acheter. Donc, je voudrais acheter des Pokéboules. T'as pas de potion, toi? Bon, je prends 10 Pokéballs. Je vais prendre... Contre le poison, c'est un antidote, je crois. J'en prends 3 au cas où, parce qu'à la forêt de Jade, les Espicots sont pas vraiment mes amis. Et qui pompent avec un avantage, parce que le Bulbizarre. Putain. Bulbizarre, il est immunisé au poison. Et moi, avec ma carapace, je suis pas allé bien loin. Alors. Oui. Non, il n'y a rien d'intéressant ici. Par contre, on va faire. C'est risqué, mais... Alors par là, c'est la route de la Ligue Pokémon, donc ça sera notre objectif. Et je me pose une question. Est-ce que... notre rival a déjà un autre Pokémon? Parce que si je monte au-delà des hautes herbes, il va nous défier. Bon, c'est pas grave. Mais là, il faut que je capture un Ferro-Singe. Si j'en trouve un. Du premier coup, please, du premier coup, Putain, ratata. On va le prendre, mais bon, c'est pas très intéressant. Ça servira toujours au cas où dans notre pseudo-team de départ. Lance-charge, blablabla. J'aurais pu le capturer direct d'ailleurs, mais bon. Voilà, c'est une salope. Une Pokéball. Allez, viens là, toi. Ouais, j'ai capturé un Rattata. Youpi, je suis content. Sa morsure très puissante, petit et rapide, on en voit un peu partout. Alors, direction le centre Pokémon pour régénérer. Alors, ça va pourrir mes vidéos, mais je vais très souvent au centre Pokémon. Oui, on n'a pas encore la coupe, on n'ira pas. Où est-ce qu'il est? Il est là. Si je prends un troisième Pokémon, je vais chercher mon rival juste après. Ça peut être intéressant pour faire un peu plus XP. Oh oui, je dis oui. Ah oui, je dis oui. Ah oui.
C'est tout. Allez, encore un coup. Ah là, c'est bon. Mais arrête de faire gros yeux. Objet, une Pokéball. Je capture Nidoran. Non, pas de surnom. On continue la chasse. Je veux un ferro-singe. Ça a tellement aidé. C'est quoi ça? Ah, c'est la même chose. Il n'y a pas quelque chose de plus fort que ça, parce que là... C'est parti pour le spam du bouton. Ah. Si vous voulez, vous pouvez chanter la musique du combat. Ah ben non, c'est fini. Pardon. Ah, c'est con. Ta-da-da. Oh oui, ferro-singe. Non, pas de ferro-singe. Je ne sais pas du tout le pourcentage de chances d'avoir un ferro-singe sur ce truc. Ah, mais j'ai pas fait ma mimique. Je vais le faire de suite. Alors, je vais pas vous expliquer toutes les attaques, ni toutes les avantages ou faiblesses contre certains Pokémon. D'une, je les connais pas par cœur. Même si je suis très fan des Pokémon première génération, surtout de la première génération, les 151, je ne fermerai pas Mew non plus. Par contre, après la Ligue, on verra. Déjà, faut arriver à la Ligue. Je suis même pas sûr de finir dans voilà, premier, deuxième, troisième. Non, je pense que je finirai dernier sur la Ligue. J'aime bien prendre mon temps et beaucoup XP avec une Pokémon. Et d'ailleurs, en parlant d'XP, comme dit... Kakipon hier et dans la vidéo de présentation, les phases où on galère, où on doit vraiment que farm XP, donc on va se balader dans les hautes herbes, on vous le passe, hein, ça sera en dehors des vidéos. Ferro-singe, mais je veux un ferro-singe. Sérieusement, on peut pas avoir de ferro-singe sur ce truc. En ce moment, en parallèle, je joue à Pokémon Jaune sur la Game Boy et j'ai eu un ferro-singe très rapidement. Si je veux un ferro-singe, c'est pour une raison précise, c'est qu'il est très pratique contre les Pokémon pierre de pierre dans la première arène. Ouh, oh, c'est bon ça. Mais... Sérieusement. Sérieusement quoi. Allez, au suivant. Ferro-singe. Mais... C'est... S'il est dans les prochaines herbes, ça me... Non, il est pas dans les prochaines, quand même. Après ça, je refais un combat dans ces autres herbes-là. Sinon, après, je monte... botter les fesses à Doppel. Non, un combat, j'ai dit. Ici, voilà. Allez, ferro-singe, s'il te plaît. Ok, ça grouille de Nidoran. Bon, allez, ferro-singe, on peut se... Hein. Nidoran femelle, c'est bizarre. Il me semblait pourtant qu'il y en avait dans cette herbe-là aussi. Pour l'instant, il n'y a que des mâles. Sexiste. Et quoi là-haut? Que dalle. Est-ce que j'ai assez pour... Non, on va heal... On va quand même le heal. Et comme j'ai la flemme de... Ah, j'ai peur. Parce qu'il y a Doppel qui va se ramener là, et ça me fait un petit peu peur.
C'est parti. Voilà. Et là, j'espère que ça va le faire, parce que normalement, mon carapuce, c'est moins bon que son build bizarre. Oh putain, il tient 9, son Roku. Oh, ça va faire mal. Les culs. Oh, c'est nul. Voilà, et moi, du coup, je vais échouer, forcément. Sérieux? Je suis pas fan de ça. C'est Mimique qui joue. Sérieusement. Bon, fait, écoutez, on va rester sur de l'écume, je pense. Spam du bouton A. Mais c'est pas vrai. Sérieusement quoi. Mais c'est non. Ok. Là, c'est la déprime. Je m'interdis de perdre contre Doppel. Tu fais écume. Mais putain, mais c'est quoi ces Pokémon qui échouent leurs attaques? Sérieusement, quoi. Charge, j'en ai marre. L'autre qui va me botter les fesses. Il va me le... Tant pis, j'ai pas le choix. Voilà. Plus bizarre. J'ai plus de potions, qu'est-ce que je fasse? Je vais juste garder Ratata. Ça fait mal. Je peux même pas fuir. Non, sérieux, allez, c'est bon, ciao Ratata. Voilà, ça c'est fait. C'était une très mauvaise idée. C'était une très très mauvaise idée. Je suis dégoûté là. Vas-y, carapuce, fais-toi démonter. Ah, comment je suis dégoûté. Et t'as la sonnerie des pompiers derrière qui... Enfin, dommage. Vraiment dommage. J'aurais dû capturer un Nidoran de plus, je pense. Allez, c'est parti. Je suis dégoûté. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, j'y retourne. Hein. Je regarde juste combien de temps vite fait. 21 minutes. J'aimerais bien vous montrer la forêt de Jade quand même avant la demi-heure. Au revoir.
encore un fer au singe. Ce serait cool d'avoir un fer au singe. Mais on s'en fout du ratata. Tiens, vas-y. Oh, efficace. Je ne sais pas quel est le pourcentage de chance d'avoir un fer au singe, mais là, c'est la déprime. C'est la grosse déprime. Fer au singe, s'il te plaît, viens là. On est mort. J'en ai marre. Wow. Oh, c'est bon ça. Tu vois qu'il a passé niveau 10 avant la forêt de Jade. Fer au singe. Fer au singe. Je suppose à regarder ce que je suis en train de faire. Niveau 10. Je suis même capable de le faire évoluer avant même la première. Ah, ça c'est intéressant par contre. C'est très intéressant même. Ah, je pensais qu'une fois que c'était fait, qu'on en reparlait plus, mais en fait non, c'est... Ah, je savais pas. Vas-y, recoule. Bon, ouais, du coup, j'ai pas beaucoup de vie, moi. Bon, on va essayer de le faire, mais... Parce que écume, ça fusait un peu mal, quand même. Bon, ok, pas trop. Bon, j'espère que ça a pas duré 30 ans. Ou alors c'est une sécurité d'avoir mis le PNJ là pour pas aller plus loin parce que les Pokémon sont trop élevés dans les airs. Aucune idée. Tout le monde, j'ai pas de potion donc là. Clairement, si je meurs centre Pokémon, il faudrait déjà là parce que. Voilà. De l'XP pour farmer les Pokémon, ça peut être pas mal. Par contre, qu'est-ce que Nidoran, qu'est-ce que je te fous avec des Pokémon de si bas level contre un but bizarre niveau 8 quoi. En plus il fait Vampirène quoi, sérieux. Le peu de dégâts que je lui fais, c'est une blague. Ou alors je suis pas très fan des attaques style gros yeux, etc. Sincèrement, je préfère les dégâts directs. Bon, quoi qu'on fait quasiment rien là, c'est... S'il se régène à chaque fois, on en a pour 50. Wow. Ouais, bon, voilà. Il est full life, c'est comme si j'avais rien fait, c'est génial. Et moi je parle de la force, c'est un peu plus génial. J'ai fait un coup critique, attention. On va y ratata. Il y a celui qui fasse que le ratata. Ah ok, très bien. Ratataka, esquiver la vampirenne. Ouh, attention, j'esquive une graine. Si tu pouvais rester comme ça pendant... Non.
Non, oui, ça si tu veux. Ratata, allez. Je crois en toi, Ratata. Ah, ok. Oui! Oh non! 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 Oh non! Non! Oh! Ah, comment je suis écœuré! Ça s'est joué à un putain de point de vie! Un point de vie! Oh! Oh les boules! Oh non! Un point de vie, c'est-à-dire à un Pokémon! Oh, bon, on monte. Tant pis, Forêt Jade. C'est pas grave. Ferrocin, j'en verrai plus tard. Y'a quoi là? Ah, mais c'est le chemin, d'accord. Les zigzags, très peu pour moi. T'as pas un Roucoule qui traîne par là? Ce serait cool. Ah, Roucoule, c'est cool. Pardon. Un Roucoule. Ah, intéressant. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Comment ça fait mal? Non, objet. Pokéball. Surnom toujours. Roucoule. Roucoule. Ratata. Il a pris cher le Ratata. Je me demande si les Pokémon dont je vais avoir besoin existent dans cette version. Est-ce que j'ai lancé la bonne version aussi? Je me pose la question. Du coup. Mais si, j'ai bien lancé la rouge. On a vu le générique ensemble. Oui, alors ça c'est pour Coupe, on verra plus tard. Et là-haut, du coup, la même chose. Et c'est une fois qu'on aura pris le bateau à l'océan, mais ça, c'est pas pour de suite. Sinon, un Pokémon, genre un Roucoule, ça peut être sympa. Un Roucoule. Ok. Alors pourquoi jouer un Roucoule? Pour les mêmes raisons qu'il y a qui vont. Pour vol. Eh oui. Et le faire évoluer très rapidement. Dernier combat dans ces herbes. C'est quoi cette déprime de merde? Bon, c'est pas grave, Carapuce il prend XP, mais bon, c'est. À deuxième arène, Carapuce il va pas faire grand chose. Hein. Allez, dis-moi que t'apprends quelque chose. Que dalle. La vie du poker d'ailleurs. Non, ça va. Oula, alors là, deux têtes. Il y a trois objets. Il y a une Pokéball, un antidote, une potion. Bah, alors, où est-ce qu'ils sont foutus? Non. Eh oui, on va capturer un autre Pokémon. Alors, il y a beaucoup de chenipans ici. Oh, il y a un truc là-haut. Mais c'est pas un chenipan que moi je cherche. Yes. C'est un Chrysacier directement. Donc on va pas s'éterniser non plus par là. Chrysacier. Oh, un coup confort. Ah, ça veut dire que je peux le faire voler très rapidement de la dernière. Par contre, ça veut dire que j'ai capturé pour rien mon Aspico, moi. Contre les Pokémon de l'arène d'eau, je sais pas.
par contre, s'il y a... Attendez, je suis en train de me poser une question. Ouais, on le capture, bien sûr. Si tout ce qui est Aspico d'Arlanon, ça n'a pas été remplacé... Aspico... Si tout ce qui est Chenipan... Je l'ai raté. Chenipan, Crisacier, ça n'a pas été remplacé par ce machin. D'où je le rate en plus. Bon, c'était... On va dire que c'est la Pokéball gratuite que j'ai chopé avant. Voilà. Par contre, je vais relâcher mon Aspico, moi, du coup. Non. Là, il y a un truc. C'est exactement là d'où je viens. Cette arnaque. Et du coup... Là, il y a quelque chose. Non. Un Pokémon ? Un Roucoule ? Un Aspico. Pas un seul Roucoule, quoi. Il y en a peut-être au début vers Bourg-Palette. J'ai pas retourné à Bourg-Palette pour aller chercher un Roucoule, quoi. Déjà, je suis en train de perdre beaucoup de temps là sur l'avancée. C'est des dresseurs à combattre, ça. Je sais plus. Parce que du coup, je suis passé devant lui, mais... Il y a combien de dresseurs? Il y en avait un, là? Non, il n'y en avait pas. Ça passe. Est-ce que ça passe contre... Ouais, on va tenter. Allez, bonjour. C'est tout? D'accord. Toi par contre. Évident. Oui, j'ai déjà trouvé la Pokéball, hein, on est d'accord. Scoot veut se battre. Il y a quand même un Spico niveau 6. Non, pas d'Arvenin. Monsieur. Non, je garde Carapuce. Oh, qu'il est mignon. Un petit chenipan. Qui fait chenipan, donc insecte. Qui fait partie des... D'une des trois phobies de Ondine, d'après l'anime. Les carottes, les poivrons et les insectes. Épisode 2, 3, je sais plus. On monte. C'est aggro. On va rester sur Carapuce, bien sûr. Est-ce que tu évolues toi en plus, je crois. Non, je garde. Ouais, oui, donc antidote pour enlever le poison, je le ferai hors combat. Sauf si vraiment je vois que je suis dans la merde, mais je pense quand même que ça devrait aller, c'est un cocon fort, niveau 7. Pourquoi ça n'irait pas? Pose la question quand même, sachant que j'ai pas de
potion. Et l'autre qui arrête pas de spam l'armure, quoi. On dirait un crisacier. Non, je garde. Par contre, si tu me fais un coup à 10, je t'en voudrais. Non. Il m'a fait 2. S'il me fait un coup critique, c'est mort. Je préfère mettre le Nidoran. En tout cas, le faire évoluer le Nidoran que le Ratata, sincèrement. Vous voyez, 2 points de vie. Je sais pas si je serais passé. C'est parti! Charge qui fait 2 points de vie. S'il m'empoisonne aussi l'ignorant, par contre, ça va pas le faire. Ouf. Alors, on en est à combien de temps? 38 minutes de vidéo. Ouais, alors l'objet de suite, l'antidote. Oh, j'ai 3 antidotes en fait. Intéressant. Ce que je vais faire, c'est une ellipse pour retourner au centre Pokémon et me soigner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite de la forêt de Jade à ce point, donc ce joli panneau qui donne une astuce pour évaluer le votre Pokédex, appelé le prof sur le PC des centres Pokémon. Donc je vous dis à toutes pour un nouvel épisode, donc à la semaine prochaine.